Bonjour tout le monde. Hello everyone. Je veux commencer aujourd'hui en disant quelques mots à propos des voyages et des voyageurs. Depuis près d'un an, les frontières du Canada sont fermées aux voyageurs étrangers. Nos mesures frontalières sont vigoureuses, elles sont adaptées à la situation qui évolue et elles fonctionnent. On sait que présentement, il y a seulement un très petit pourcentage de cas qui proviennent de Canadiens qui reviennent au pays. Cela dit, je veux être très clair, chaque cas est un cas de trop. Je le répète, ce n'est pas le temps de voyager, surtout pas pendant la semaine de relâche qui s'en vient. Toutes les options sont sur la table et on va annoncer de nouvelles mesures très bientôt. Alors, évitez tout voyage non essentiel, que ce soit à l'étranger ou dans une autre province. Annulez vos projets de vacances dans le sud. Il y aura d'autres occasions de voyager à des moments plus opportuns et même plus agréables pour vous quand la pandémie sera sous contrôle. Je sais que le temps et l'hiver se fait long, mais il faut tous continuer à faire les efforts. Canada has some of the strictest travel and border measures in the world. We've closed the borders since March to everyone for whom Canada is not home. We have a 2-week quarantine for everyone returning to the country, and we now have a mandatory negative test before flying home. These measures work. They're saving lives. And that's why our friends and allies are following suit. Just take the United States, where they've recently adopted the same requirement for a negative test before flying back into the country. We are doing whatever it takes to keep Canadians safe. As I've said before, when it comes to protecting you and your family, nothing is off the table. We will not hesitate to take even tougher measures if and when they're needed, and we'll be making an announcement in the coming days. The bad choices of a few will never be allowed to put everyone else in danger. Of course, travel is only one part of the equation when it comes to beating COVID-19. Fighting this pandemic also means we need the tools to test and trace the spread of the virus right here at home. In the last week alone, we've delivered over 1 million rapid tests to the provinces and territories. That brings us to 15.4 million rapid tests that we've sent out to the front lines. And even more are on the way. Le dépistage est essentiel pour combattre la COVID-19 et être dans la meilleure situation possible quand la vaccination de masse va commencer au printemps. On fait tout ce qu'on peut pour vous aider, vous et votre famille, à traverser la crise. Mais on ne peut pas y arriver seul. On a aussi besoin de vous. J'ai parlé des voyageurs plus tôt et des mesures strictes aux frontières, mais il ne faut pas oublier que c'est surtout la transmission communautaire qui continue de propager le virus. Il y a encore des gens qui se permettent des exceptions aux règles et malheureusement, ça fait augmenter les cas. Les hôpitaux sont sur le point de déborder. Des chirurgies sont reportées. On doit faire ce qu'on peut, ce qu'il faut pour suivre les consignes de santé publique. Restez chez vous, évitez les rassemblements, portez vos masques et téléchargez et utilisez l'application COVID, Alert COVID. I think about all the people who've been on the front lines of this fight against COVID-19 for almost a year now. They know how far we've come, and they know that we need to keep going just a little longer. To our doctors, nurses, and long-term care workers, thank you. From Victoria to Iqaluit to St. John's, you're taking care of our parents, grandparents, and friends. Right now, you're working longer hours than ever. You are our heroes. Your service and dedication every day is remarkable. De nouveaux défis vont émerger pendant cette période incertaine, mais je sais qu'ensemble, on est prêt à les affronter. Ce matin, j'ai eu un appel avec le PDG de Moderna qui m'a confirmé une fois de plus que les contrats qu'on a signés très tôt avec eux seront respectés. De plus, comme prévu, avant la fin mars, nous allons aussi recevoir nos 4 millions de doses du vaccin de Pfizer.
D'ici septembre, tous les Canadiens qui veulent un vaccin pourront en avoir un. Les vaccins sont sûrs et efficaces et on travaille sans relâche pour pouvoir les déployer le plus rapidement possible. Now, it may only be January, but this winter is already turning out to be a long one. And for many business owners who are worried about how to get through to better days, I know that spring and summer seem a long way off. When this pandemic started, we made a promise that we'd be there for Canadians. And every day since, we've done exactly that. Our government has rolled out the largest economic measures in Canada's history to support small businesses across the country, from the Canada Emergency Business Account to the wage subsidy. But even with this help, during a second wave, things are tough. For many businesses and their employees, it's hard to get back on their feet. That's why we're now partnering with Canada's largest financial institutions to introduce the new Highly Affected Sectors Credit Availability Program, or HASCAP. Through HASCAP, Canadian-based businesses that have been hardest hit by the pandemic will be able to receive low-interest loans of up to $1 million. These are 100% Government of Canada-backed loans and can be used for rent, utilities, and help with payroll. Later today, Minister Ng will have more details to share about the loans, including how to access this support once applications open on February 1st. Pendant qu'on aide ceux qui sont le plus durement touchés à traverser cette crise, il faut aussi penser à l'après-pandémie. Avec les vaccins qui continuent d'arriver, il y a de l'espoir à l'horizon. Ensemble, nous allons pouvoir rebâtir une économie plus forte et plus résiliente dans laquelle tout le monde a une chance de réussir. Une économie avec de bons emplois pour que les travailleurs puissent soutenir leur famille dans un environnement plus sain et plus propre. On a du travail devant nous, mais je sais qu'ensemble, on va y arriver. Merci.